La médecine manuelle, c'est une forme de médecine qui va traiter avec les mains, donc sans intervention médicamenteuse, des pathologies essentiellement de l'appareil locomoteur. Elle traite des infections, surtout de l'appareil locomoteur, comme des infections aiguës, des lombalgies, ou chroniques. Mais elle permet aussi, chez un certain nombre de patients qui ne répondent pas ou qui tolèrent mal les traitements médicamenteux, de proposer un traitement complémentaire à la médecine dite traditionnelle occidentale. Et ça, c'est très intéressant avec une population notamment vieillissante de pouvoir limiter les prises médicamenteuses qui sont quand même régulièrement prises en trop grande quantité chez la population porteuse d'affections de l'appareil locomoteur, vieillissante en particulier. L'ostéopathie médicale existe depuis très longtemps. Par contre, elle est d'actualité et elle est complémentaire à tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'elle apporte la notion un peu plus humaine, peut-être plus de contact humain, manuel, avec la population. Il y a une énorme demande de la part du monde médical et des jeunes médecins, parce que les progrès de la médecine et de la technicité font des fois un peu, ont pu faire un peu oublier cette partie manuelle et de contact avec le patient, qu'elle soit humaine, mais aussi manuelle. Le toucher du patient est important et c'est l'approche ostéopathique médicale nous permet de compenser un petit peu cette petite lacune. Les grands points forts, c'est une formation qui est nationale, reconnue par le Conseil de l'Ordre national des médecins, et il ne s'adresse qu'au monde médical, médecin généraliste, médecin spécialiste, en cabinet libéral, ou aussi hospitalier ou en établissement public, et puis à tous les internes de médecine générale ou autres en voie de formation. Ceux qui pratiquent la médecine manuelle, ostéopathie médicale, sont des médecins. Donc, ce ne sont pas ni des kinésithérapeutes, ni des ostéopathes qui ne sont pas des professionnels de santé. Donc, de notre point de vue, il ne s'agit pas de dire que les uns ou les autres sont bons et les autres mauvais, mais il y a une plus-value médicale à la pratique par un médecin manuel ostéopathe médical. Et notre souhait, via ces enseignements nationaux, c'est de promouvoir aussi une recherche qui reste insuffisante sur cette thématique, notamment en France. Donc, grâce aux réflexions qui pourront être conduites entre les différents étudiants des différentes facultés, on aura la possibilité de développer des travaux de bonne qualité scientifique et donc d'essayer d'obtenir des résultats probants sur ces pratiques.